On est le premier du mois, je suis toujours en pyjama et c'est l'heure de nous payer. D'abord, avant qu'on parle de mon portfolio, je t'invite vraiment d'aller voir la vidéo juste là où je te présente la méthodologie de l'investissement de valeur. Il ne s'agit pas d'analyse d'entreprise par entreprise, de chercher des théorèmes de Pythagore compliqués, mais juste de savoir quand le prix d'une action d'une entreprise, en se basant sur ses indicateurs financiers de base, est en solde par rapport au prix du marché. Nous allons aujourd'hui dépasser les 10 000 $ d'investir. Et je me sens très fier pour ce palier personnel. Et en même temps, je me sens si triste parce que c'est quelque chose que j'aurais dû commencer dès que j'ai eu mon tout premier salaire. Dès que j'ai eu 22 ans, j'aurais dû commencer à mettre un petit 50 €, un petit 60 € ou un petit 100 € de côté. J'aurais déjà été sur des stratosphères bien plus hautes, non seulement en termes d'argent investi, mais aussi de connaissances. Donc si tu veux toi aussi avoir ce changement d'état d'esprit, je te conseille d'aller regarder juste en bas. Je t'ai laissé le lien Audible du livre Rich Per. Un autre point que j'ai relevé, et ça voit que je vous écoute tous, hein, c'est qu'effectivement, je ne suis pas un analyste financier. Donc, un truc que je vais faire, c'est d'arrêter de vous dire dans quelles actions j'ai investi. Par contre, je partagerai avec vous les performances sur le mois et les 6 derniers mois afin qu'on ait de la perspective et quand il y a un pic ou alors un creux, expliquer pourquoi. Du coup, c'est parti. Allons voir directement ce qui se passe sur mon portfolio d'actions, en tout cas le total. Ok, à l'écran, nous avons passé la barre des 10 300 $ de la valeur du portfolio. Ça ne veut pas dire que j'ai investi 10 300 $. En réalité, j'ai investi aux alentours de 9 500 $ et reçu un profit de 422 $ qui est aussi bien compté dans la croissance des valeurs de mon portfolio, mais également le versement de quelques dividendes, bien que celles-ci soient plutôt négligeables à ce point, vu que le portfolio est tout petit. Si on prend une visibilité sur le court terme, la valeur du portfolio a augmenté de 658 $ au cours du mois dernier. Et au cours des 12 derniers mois, la valeur de mon portfolio a eu une croissance de 17,68%. Encore une fois, cela ne veut absolument pas dire que je suis un roi pour choisir des actions. Vu le comportement extrêmement optimiste du marché financier depuis ces 2 dernières années, n'importe qui aurait mis des sous dans la bourse américaine aurait pu avoir des performances tout à fait satisfaisantes, quelles que soient les actions qu'il aurait choisies. Quand on regarde les profits purs, c'est-à-dire les gains versés sous forme de dividendes, ainsi que la performance de l'action sur les places de marché, on voit que l'industrie qui a été le plus bénéfique pour moi, sont les produits de consommation. Il s'agit des boissons, de la nourriture. Ces produits sont extrêmement intéressants d'habitude quand un marché se casse les dents, car ce sont les produits qui ce sont des produits de première nécessité. Tout le monde en a besoin, quel que soit le moment. Cependant, l'année dernière, on sait tous que Covid est arrivé, et avec Covid, les gens restaient beaucoup plus souvent chez eux et faisaient beaucoup plus de courses chez eux et dépensaient beaucoup moins leur argent à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a eu une performance toute particulière de cette industrie dans mon portfolio. Par la suite, il y a bien sûr les technologies. Voilà le squad. N'hésite pas à me dire si tu investis en bourse, qu'est-ce que tu en penses, la taille de ton portfolio, qu'est-ce qui te bloque pour commencer à investir en bourse si tu ne l'as pas encore fait. Et comme d'habitude, je trinque à ton succès.